Sex, 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 crime. Bah depuis les temps que je suis dans la société, c'est l'exposition que j'ai le plus aimée. Voilà, c'est la plus jolie, c'est magnifique. Vous pouvez m'expliquer pourquoi, par exemple? Qu'est-ce qui vous plaît dans l'exposition? Bah tout en fait, vraiment, la peinture, les photos, le noir et blanc, les petites touches de couleur, c'est vraiment... Mais c'est l'artiste qui vous plaît ou c'est ce qu'il fait? C'est ce qu'il fait. Tu vas rire. Non, non. Mais l'artiste aussi, il est très sympa. Voilà, voilà. T'es content? Je suis ravi. Il y a du monde? Plein de gens. Que tu aimes? Je connais pas tout le monde. Moi qui le connais bien, c'est pas très surprenant. Je le connais bien, non, c'est très sympa. Très bien. Qu'est-ce qui te surprend? Qu'est-ce qui me surprend? Pas grand-chose. Si, le chien. Qu'est-ce qu'il vient faire avec un Mais chien? Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce chien? Un chat, d'accord. Mais un chien. Voilà, un chat qui tire la langue, ça c'est normal. Un chien, je comprends pas. Et il y a une installation qui s'appelle « Toute ma vie, j'y rêvais ». C'est la chanson de... Comment il s'appelle le mec qui est marié à Françoise Hardy déjà? Jacques Dutronc. De Dutronc, et « Toute ma vie, j'y rêvais d'être une hôtesse de l'air ». Et c'est un livre justement, c'est une étude ethnographique sur les hôtesses de l'air qui sont un peu des personnes un peu bizarres dans notre société, je trouve. C'est le rêve de l'homme pendant des milliers d'années, c'était de voler. Maintenant, on y arrive. Et puis là-dedans, on met des gens qui sont même pas là pour voyager, qui conduisent pas les avions, qui sont juste là pour faire du service et qui ont l'espèce de rôle un peu bizarre dans ce rêve-là. Non, il y a un néon, mais ça, c'est un néon pour la vitrine, pour faire un peu une accroche. C'est un néon par rapport à l'expo qui dit... Justement, c'est en vivant à fond qu'on est au maximum de sa vie.